Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Assassin's Creed Unity. J'ai cru qu'il faisait une demande au mariage, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais on n'est pas dans le quartier du marais. Bouh ! Boum, direct ! Oh, homophobie dit le début de l'épisode, bim ! On est comme ça. Aucune discrimination, on discrimine tout le monde. Bim ! Avec nous, pas de jaloux. Et je m'accroche à une petite cordelette à linge, sachant que cette cordelette doit être en acier pour supporter mon poids. Et on commence une petite mission secondaire des familles. Regarde ça. Jean-Baptiste Rotondo s'est évadé de prison. As-tu déjà entendu ce nom? Il en sait long au sujet des assassins. Il va sans doute tenter de rejoindre les Templiers pour leur faire part de ce qu'il sait. Assassine-le avant que la garde nationale ne le retrouve. Il est juste sous nos pieds, en train de s'enfuir par les égouts. Nous connaissons-nous ? Très bien. Jean-Baptiste Rotondo. Alors... Où es-tu, JB? Retrouve-toi, ou tu en subiras les conséquences. Je ne plaisante plus. Je pourrais te faire condamner pour trahison. Hein? Trahison? C'est le dernier mot que tu entendras. Alors, dans l'actualité de la chose, je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois attendre quelqu'un? Peut-être. Non, je pense que je dois descendre. Sur ses pas. On ne trouvera jamais cette vermine dans ce Niara. Tiens-toi prêt, ce misérable va sûrement revenir par ici. Mon Dieu. Mais par où est-on entré? Ah bah si les mecs ils ont déjà oublié d'où ils viennent. C'est pas de chance hein. Putain mais c'est quoi tous ces morts? Il y a eu une bataille ici, c'est pas possible. On va en profiter nous hein. Ah, je suis un soldat d'élite. En haut, à mon statut, on peut lire soldat d'élite. Donc je suis fort. Dans l'actualité de l'actualisme de la chose, je suis très fort. Meurs, meurs, tu es mort. Et toi? Oh! Oh mince, tu es mort aussi. Rien de plus simple qu'un assassinat avec Spectre. On va juste essayer d'ouvrir ça. Alors, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh putain! Ah putain! C'est pas possible, et franchement c'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Je trouve ça dégueulasse d'ailleurs. Une. Waouh. Waouh. Alors ça vous le verrez plus jamais en vidéo. Ça c'est arrivé une fois. Alors je dois avouer là j'ai une érection. Total. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Non non mais sérieusement ça vous le verrez plus. Ça je l'ai fait une fois, je le referai plus jamais. C'était la magnificence du geste de l'amour.
C'était juste comment apprendre à jouer, quoi. Là, je viens de vous apprendre comment jouer à Assassin's Creed. Là, je suis en train de vous montrer comment ne pas jouer à Assassin's Creed. Voilà. Ah, c'est lag. Tous ces lags. Boum. Et on sort. Eh bien, c'était une petite mission rondement menée. Voyons ce que l'on a d'autre à nous proposer. Vous savez quoi, on va faire toutes les petites missions. Enfin, pas toutes, mais une partie des petites missions. Après, on s'attaquera au coop. Comme ça, on fera un peu chier les joueurs en coop. Ils devront m'écouter parler. Ah, on commence un petit peu à vider la carte. Hein. Un petit peu, j'ai dit. Un petit peu. Calme-toi tout de suite, Jean-Kevin. Farpe, quartier des Tuileries. YOLO! YOLO, jeune seigneur! Je ne vous dois rien du tout! Vilebrequin! Dans vos gueules! Dans vos gueules, vilebrequin! Ah, c'est beau, le sang qui tache les trottoirs parisiens, c'est bien fait. Mais de rien! Oh, cassez-vous! Bande de gueux! De gueux que vous êtes! Courez! Ah! Les méchants! Ah, courez! Ah! Non, mais quand je dis courez, c'est courir, les mecs. Là, faut courir. Oh! Ouf. Oh! Ah, c'est honteux! Oh, fichtre! Putain, mais elle est loin de cette mission! Font chier! Tu me caches des choses. Oui. Moi. Je suis son amant secret. Ouh. Oh non. Oh bah tant pis. Je suis mort comme une merde. Hein. Je me suis trompé de bouton et tout. Je me suis fait mais défoncer. Eh bien, par ici, par ici. Par où? Ah putain, je dois encore faire tout le chemin jusque là-bas, ils sont sérieux. Je vais le faire sur les toits. Oui, il est le drapeau français. Qui? Meurs! Meurs! Ah, c'était vous qui m'avez tué tout à l'heure. Ouais, poignardez-moi dans le dos. C'est ça. Tiens, regarde, c'est qui a du skill? C'est Bibi. Voilà. Et ben voilà. Et c'est qui est mort? Bah c'est Titi. Bitch. T'es sérieux, mec? T'es pas un peu en train de voler une croix, là, en fait? Ok, sauce. Je me casse avec ma croix d'église. Oh mon dieu, en plus, il a une tête de... Cet homme est un échec. Ah, cet homme est un échec total. Tu es un échec. Pourquoi tant d'agitation? Je sais pas, peut-être que j'ai envie de courir, c'est mon footing du matin. Ça t'arrive jamais, ça? Bitch. Tu as compris? Mais cassez-vous! Va sauver que quelqu'un! Oh! Tiens, meurs dans ta gorge! N'existera que lorsque tu seras tous éliminés! Oh! Je suis dans le refus! Voilà! Le refus d'accepter ce genre de choses, monsieur. Et c'est une femme qui vous a embroché. Elle t'a pénétré. Plus profond. Voilà. Et double exécution avec une nana. J'adore faire des trucs à trois, surtout quand il y a deux mecs dans le lot. Et que ça implique des pénétrations d'épée. Ma grosse épée. Pardon.
Je vous suis à jamais redevable. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien entendu. Et cet homme est à jamais redevable. Oh, ces beaux escaliers en marbre, franchement, c'est beau. On aimerait y habiter. Quoique c'est un peu trop grand, pour moi. Les gazettes ne cessent de me ridiculiser. Elles qualifient mon nouveau mécanisme de manège. Imaginez un peu cela. Je conçois une méthode d'exécution plus humaine et les journaux ne cessent d'en dire du mal. Pourriez-vous imprimer cet article vantant les mérites de la guillotine? Évidemment. Puis les substituer discrètement aux journaux vendus dans les rues? Mon cher docteur, ne trouvez-vous pas que le but d'une exécution est de montrer au peuple le terrible châtiment réservé aux ennemis de l'État? Joseph Ignace Guillotin. Alors, on est en présence de Joseph Ignace Guillotin, l'inventeur de la guillotine. Et vous savez quoi? Vous connaissez l'ironie de la chose? C'est que cet homme s'est toujours demandé si son invention était douloureuse. Eh ben, il a pu la tester lui-même, parce qu'au final, il était déclaré ennemi de l'État. Oh! C'est Guillotin qui s'est fait guillotiner par la guillotine. Bitch. Ça calme, hein? Alors, ce jeu est bien. Non, ce jeu... J'allais dire, ce jeu est bien et pas forcément dans le sens où les personnes qui n'ont pas forcément les connaissances, par exemple, par rapport aux missions secondaires, du genre, ils connaissent pas Guillotin. C'est quoi, c'est l'invention du rugby, là? Vous faites quoi? On se fait des câlins. On se fait des câlins. Enfin, mon nouvel apprenti. Vite, il nous faut imprimer une nouvelle édition sur le champ. Mais bien sûr. Je viens de passer à côté d'un ennemi comme un gros plouc, là, ou c'est moi? Oui, donc ce monsieur Guillotin... ce jeu est très bien. Mais le souci, c'est que les personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires ne peuvent pas apprécier à leur juste valeur les missions secondaires. Ils sont pourtant très sympas du fait qu'on y croise plusieurs personnages historiques qui sont pas forcément les plus connus. Alors je traite absolument pas les gens de débiles. Hein, si vous ne connaissez pas les personnages historiques, c'est juste que vous y êtes pas intéressé. Hein. Ça veut pas dire que vous êtes un débile profond ou un inculte ou quoi que ce soit, parce que de la culture tout le monde en a. Mais dans des domaines différents, c'est tout. Un spectacle sans saveur. Avez-vous une raison pour venir? Le mécanisme miraculeux du docteur Guillotin trancherait les têtes en un battement de paupières. Et il y a du monde là. Et les mecs, ils ont des têtes constamment sur des pics. C'est des mélanchonistes en puissance. Encore une tête sur une pique. Ah, un mec qui a poké avec une tête sur une pique. Oui, c'est vous, messieurs, dames. Ouais, c'est joli, les Tuileries. Hein. Je ne vais pas me laisser insulter. Tu es mort. Ah oui, alors partout, on voit des drapeaux. Bleu et blanc. Bleu et rouge, pardon. Alors, il faut savoir que le drapeau français, avant, n'était pas bleu, blanc, rouge. Mais bleu et rouge, parce que le bleu symbolisait... Le bleu, alors je suis plus sûr... Alors, là, il y aura des recherches à faire, je suis plus sûr du tout. Le bleu symbolisait, je sais pas... je crois que c'était Paris. Il y avait une histoire... Alors, je sais pas si c'est le drapeau de Paris ou alors tout simplement le drapeau qui a été adopté. Parce que le blanc, en fait, symbolisait la royauté, il me semble. À 100%, mais il y a des histoires comme ça. Il y a une couleur qui symbolise la royauté, une couleur le peuple et une couleur Paris ou quelque chose comme ça. Une honte. Et donc en fait c'est la royauté qui est entourée par le peuple et Paris, donc le blanc au milieu, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est le blanc Paris qui est entouré par enfin bref, vous aurez compris qu'il y a une histoire de symbolique avec ça. Et que les drapeaux bleu et rouge, il y en avait. Vous connaîtrais-je, citoyen? Oh, tu me fais chier, toi! Le docteur Guillotin propose une invention ridicule! Ta gueule, voilà. Ton maître François aura vendu. Le mécanisme miraculeux du docteur Guillotin!
Hop, on passe. Encore des mecs avec des têtes sur des pics. Ici, c'est violent, là. Hein. Il faisait pas bon de vivre dans le quartier à l'époque. Hein. Encore un fou, dit le mec avec une pique sur une tête sur une pique. Une minute, toi, je veux te parler. Que vous voulez ? De quel côté es-tu, hein ? De quoi m'accuser ? Ta gueule. Fais pas chier les gens que je connais. Une honte nationale ! Cette nouvelle machine ferait des exécutions publiques un spectacle sans saveur ! Mais... Oh, ils font chier. Voilà. Ils font chier. Ah d'accord, il y avait juste trois... Oh, c'était pas bien compliqué tout ça. Où ça? Fort bien. Qu'allons-nous faire maintenant? Non, ça c'est trop compliqué. Ça, ça me plairait bien ça. On va faire les missions du... Ah là, il y a une enquête pour varier un petit peu les choses. État occupé. Je peux pas y accéder, c'est ça? Si, on peut y accéder. Je suis où, moi? Je suis là. Bah, on va résoudre l'enquête d'un député décédé. Parce que s'il n'est pas décédé avec sa tête... séparé de son corps, c'est qu'un souci. À l'époque, c'était plutôt ça la première cause de décès. Qu'est-ce qui a causé cette agitation ? Des mecs, ils volent des croix dans tous les sens, c'est fou. Viens ici, espèce de lâche ! À mort ! Tuez-les tous ! Qui ? Où ? Oh là là ! Ils sont un peu fous dans cet endroit. Ils veulent tuer tout le monde pour rien. Moi, je monte au bâtiment public car c'est mon dada. Et c'est parti. Et c'est parti. Allez. Et bim. Et bim. Allez. Je sais même pas si j'avance vraiment plus vite. Hein. Si, peut-être avec les sauts, ça va plus vite. Hop. Là, ça va pas plus vite pour le coup. Non, des criminels! Je vais vous venger, maître. Monsieur. Ou quelqu'un. Tu vends du pain pourri! Et tu as l'audace de te montrer! Ah, oh putain! What the fuck? C'était pas prévu tout ça? Je vais t'y arriver. Oh là là, ils sont impossibles à battre ceux-là. Ils sont quelque peu énervants. Mais bon, ne nous laissons pas abattre. Hashtag mort de l'humour. Oui, c'était bien une blague. Oui, vous avez le droit de vous désabonner ici et maintenant. En prévision. Toi aussi, découvre Assassin's Creed dans 40 bruits différents. Les méchants, ils grognent forcément. Parce qu'ils sont méchants. Puis ils sont méchants quoi, c'est toi soit rouge, soit noir, enfin soit blanc, soit noir. Tu ne peux pas être entre les deux, tu es méchant. Alors... Moi j'aimerais bien grimper là-haut. Il risque la chute à chaque instant. Oui, je risque la chute, mais je suis entraîné par Michael Bay, bitch.
Voilà les armoiries. Allez, je veux sortir. Je veux sortir, bordel de merde. Ouf. Mon père était un excellent arracheur de gants. Il m'a tout appris. Mais j'en ai pas besoin. Une minute, toi, je veux te parler. De quel côté es-tu, hein? Dans quel camp te battre? Je ne crois pas vous connaître. J'ai gardé mon moyen. Qu'est-ce que tu fais? Ok, mais ils opportunent les gens. Librairie Bonnereau. Tous égaux, mes frères. Ils ne sont... Un divertissement intéressant. Voilà. Encore un homme qui se balade avec une croix, comme d'habitude. Et rentrons voir ce qu'il se passe. Je te laisse choisir la lanterne à laquelle on va te suspendre. Ça te va? Ah, ma bite. Mort au modéré, vous êtes pas des communistes, vous? Je vais t'étriper, je te modéré. Attends. Wouah. D'où? Non mais on va jamais arriver à faire cette mission les mecs hein. Le mec il m'a rushé, il m'a transpercé quoi, j'y étais. Ok maintenant on est où? Finalement on va y arriver hein. Oh c'est compliqué tout ça hein. Alors. Du calme. Tu n'es plus dans ton... Un barbare des temps anciens. Mais votre seigneurie... Bon voilà, il y a plus... Ah si, il y a... Hé hey, si tu t'ennuies, je peux te découper les boyaux. On va les buter comme ça c'est fait. Oh là là, ils se pop mais de n'importe où. Frappez aux jambes pour le ralentir. Défoncer tellement violemment. Vous allez rien comprendre les gars. Non mais non putain. J'ai pu parer. Oh là ça me saoule. J'ai pas pu parer quoi que ce soit. Bon. On va enfin y arriver peut-être. Oh elle me saoule cette... Ça c'est chiant ça. Ça c'est vraiment... Le freerun est chiant en fait. Hein. Il n'y a pas à chier, il est chiant. Voilà. Pareil pour rentrer... Mais c'est la croix et la bannière pour rentrer dans une fenêtre. C'est la folie. Hein. Vous pouvez pas imaginer à quel... Oh là là, c'est chiant. Putain, ça c'est le genre de truc qui me font rager. Hein. Enfin quoi. Je sais pas si vous avez vu comment c'est... Oui, il m'a appuyé sur L2. Qu'est-ce que je faisais à ton avis, espèce de débile? Alors, étudions cela. Un homme d'une trentaine d'années effondré sur la table, les traces du sang... Hein, indique une hémorragie interne. Pauvre Étienne, ce que je craignais tant est arrivé. Alors, en partie remplie, le résidu du bord semble... Oh, fais-moi pas chier avec tous tes indices, voilà. Être de la poudre... Oh, ils font chier. Ça fait vraiment chier, par contre. De la poudre de verre. Tout ce qui est base de données, ça fait chier, mais à un point pas possible. Je craignais un tel événement depuis des semaines. Mon mari a reçu de nombreuses menaces de mort depuis son vote en faveur du roi. Il avait pris de grandes précautions et même engagé Armand pour le protéger. Armand? Mais qui est Armand? T'as les bases de données sont casse-couilles, ils s'affichent tout le temps. Je vais voir si dans les trucs je vais pas pouvoir changer ça. Alors, monsieur,
Le citoyen Hennebert était un adversaire politique, mais je le respectais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter son invitation. J'ai cru comprendre qu'un de ses serviteurs avait disparu. Voilà qui paraît étrange. Ok. Antoine Gérard, je suis Madame merci. Gérard. Mon mari et moi étions invités à dîner et j'espérais passer une soirée exquise. Les Hennebert sont réputés être des hôtes délicieux. Très bien. J'espère ne pas avoir joué un rôle dans cette tragédie. C'est moi qui ai conseillé à Hennebert d'inviter les Gérard. J'espérais apaiser ce climat politique des plus délétères. Une fois le vin versé, nous avons tous levé notre verre en jurant d'oublier le passé. Hennebert s'est alors mis à étouffer avant de s'effondrer sur le sol. Ok. 6. Septième indice, il est où ? Parce qu'il y a un septième indice. Là. Colis brisé de perles de verre, il semble en manquer une. Donc c'est une femme qu'il portait. Invité à arranger ce dîner en vue des différentes politiques, Hennebert est tombé au sol, étouffant immédiatement après le toast. Madeleine Gérard, invitée, n'a plus de collier, déclare qu'il s'est brisé. Un homme d'une trentaine d'années s'effondre près de la table, les traces de sang émanent de la bouche. Indique une hémorragie interne. Le faisant politique de la victime a remarqué qu'un des serviteurs était parti. Épouse de la victime craignait un tel acte, antécédent d'attaque contre la victime, et le verre. Eh bien, des serviteurs est parti. Eh bien, j'accuse. Je vais accuser Madame Gérard. Je suis Madame Gérard. Mon mari et moi étions invités à dîner et j'espérais passer une soirée exquise. Les Hennebert, vous ne pouvez m'accuser pour la simple raison que j'ai prétendu que mon collier s'était cassé par accident. D'accord, j'accuse un suspect à tort et... Le citoyen Hennebert était un adversaire politique, mais je le respectais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter son invitation. Un serviteur, mais alors ça vient de la part de la femme ? Je craignais un tel événement depuis des semaines. Mon mari a reçu de nombreuses menaces de mort depuis son vote en faveur du... Mais j'adorais mon cher mari. Oh là là, ça devient compliqué là. Le citoyen Hennebert était un adversaire politique, mais je le respectais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter. Il a voulu sauver la tête du roi. Ce sont des hommes comme lui qui ont trahi la révolution. C'était un traître à la révolution. Je mérite une médaille. Oui, 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 c'est parfait. Je ne comprends toujours rien à cette affaire. Le verre ne se casse pas. Étrange. Allez, faites votre choix. Fort bien. Bonus réduit accordé. En fait, on peut accuser tout le monde. Hein. Si on veut. Ah. Voilà, meurt. On peut effectivement. Bah pas moi. Ok, sauce. Hein. On peut effectivement accuser n'importe qui. Et comme c'est bien foutu, enfin plutôt mal foutu parce que c'est de la merde de ce genre de système, parce que normalement je devrais recommencer la mission. Et ben ça change rien. Ce n'est pas grave. Donc c'est complètement ridicule. Au final. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était l'épisode de la rage la plus totale, hein, comme vous avez pu le voir, parce que à la fois, hein,
c'est vrai qu'il y a des choses qui sont aberrantes dans ce jeu. Il faut l'avouer, pour Assassin's Creed, ils ont voulu voir soit trop grand, soit je sais pas. En tout cas, ils n'ont pas fait les choses comme il fallait. Bref, je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine !